Et bien le bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Salut Florent, salut Alaydar, salut Rafterman, salut Gaël. J'espère que vous avez passé un bon week-end. On s'en va le conclure, on l'espère, de la plus belle des manières. Avec ce dernier des deux top 4. Pour ceux qui auraient manqué l'information, Rémi Dumais a gagné contre Over 2 hier fin de matinée. Et aujourd'hui, on va savoir qui va rejoindre le Canadien en finale. Pour voir un petit peu. On aura une finale, on le sait d'ores et déjà, franco-canadienne. Et voilà, la question c'est est-ce que ce sera Darth Hunter ou est-ce que ce sera Nebal? On le saura dans à peu près 75 minutes. Salut Clairac, du sang et des larmes, exact. Alors, deux listes qu'on a, à peu de choses près, pour Nebal, déjà eu en stream. Présenté. Hop. Alors, du côté de Darth Hunter, une Ahsoka Tano. Avec une capacité, donc, qui ressemble à celle qu'elle a déjà en République. Après avoir entièrement exécuté une manœuvre, vous pouvez choisir un allié à portée 1, 2 et dépenser 2 forces. Ce vaisseau peut effectuer une action, même s'il est stressé. La visée instinctive qui permet de dépenser une force pour ignorer un prérequis concentration verrouillage pour une attaque spéciale, et qui du coup permet d'ignorer pardon, le prérequis de concentration de la roquette à protons. Les fameux 5D dans le bullseye. C'est pas ça que je voulais faire. Luke Skywalker dans son X-Wing. Avec sa capacité très intéressante de lorsque je deviens le défenseur, je récupère une force. L'Astromécaire 2 pour récupérer des charges. Enfin, récupérer pardon, des boucliers au prix d'une charge et d'un désarmement pour le tour. Un bouclier amélioré. Donc de cette manière, Luke devient à peu de choses près un X-Wing T-70. Et évidemment, les petites ailes gratuites et inclus dans le châssis. Corran Horn dans son E-Wing. Corran Horn avec une capacité très forte, mais à utiliser, on va dire, correctement. À initiative 0, on peut effectuer une attaque bonus contre un ennemi dans notre œil de bœuf. Si on le fait au début de la phase de... Mince, j'ai oublié le nom, tiens. Planning phase, c'est... Bon, au début de la planning phase suivante, on gagne un jeton de désarmement. Voilà, faut faire attention quand on utilise la capacité. Outre ça, on peut, grâce au pouvoir du châssis, prendre des verrouillages au-delà de la portée 3. Mais on ne peut pas les prendre quand on est à portée 1. Un petit système de commande de tir pour avoir une relance sur un dé. Et l'Astromech R2, lui aussi, comme Luke. Voilà pour la liste. Notre cher Darth Hunter, et quand ils auront lancé le temps, je vous présenterai la liste en face. Juste pas rater la mise en place. Donc je vous rappelle, pour ceux qui ne connaîtraient pas le système, que vous pouvez parier pour la personne, ou la liste d'ailleurs, de votre choix. Vous avez une petite prédiction qui s'est ouverte, une petite fenêtre qui s'est ouverte en haut de votre chat et qui vous permet de dépenser des crédits. Les crédits, c'est ce que vous obtenez en regardant la chaîne. C'est la petite monnaie de la chaîne que vous voyez en bas à gauche de votre chat. Vous pouvez donc dépenser des crédits pour parier sur la liste ou le joueur qui vous plaît, en fonction de ce qui vous intéresse le plus. Et de cette façon, eh bien, c'est un pari, quoi. On fait pas l'image, on fait pas le dessin de ce que c'est qu'un pari. Pariez, si vous perdez, vous perdez. Et si vous gagnez, ben vous gagnez. Voilà. Et je vois qu'il y a déjà pas mal de gens qui l'ont fait, puisqu'on a 8200 crédits sur Darth Hunter et 3500 sur Nebal. Un peu plus confiance dans le patron du nom de squadron. Alors, j'ai l'impression qu'on a plus ou moins sélectionné les manœuvres des deux côtés. Donc je pense que le temps va pas tarder à partir. Je me tiens prêt. Et c'est parti, effectivement. Comme on a coutume de dire outre-Atlantique, il reste désormais moins de 75 minutes.
Petit clin d'œil. Après avoir vu le match de Nebal la semaine dernière, je me sentais obligé. J'en conviens, c'est très intéressant. Et en parlant de Nebal, commençons la description de sa petite liste du jour, qui est, sommairement, à peu de choses près, celle qu'il nous avait jouée la dernière fois, avec Totorani, Kulda. Après avoir effectué une attaque, chaque vaisseau dans votre bullseye subit un dégât à moins qu'il retire un marqueur vert, et le pouvoir du châssis qui s'ajoute à ça. Lorsque vous effectuez une attaque, si le défenseur est dans votre bullseye, les dés de défense ne peuvent pas être modifiés grâce à des dés verts. Pouvoir extrêmement fort, si tant est qu'on active évidemment le bullseye. As de l'espace que vous venez peut-être de voir, peut-être pas parce que les cartes étaient en plein dedans, mais Torani a fait un tonneau, et le tonneau est blanc désormais, au lieu d'être rouge, c'est grâce à As de l'espace. Et enfin, les Fails Transponder Codes, pourquoi se passer de cette carte, surtout que vous allez voir, c'est très important pour Nebal d'en avoir trois occurrences. Ce sera sur le dernier vaisseau qu'on va voir pourquoi. Assage Ventress, au début de la phase d'engagement, vous pouvez choisir un vaisseau dans votre arc de tourelle à portée 0-2 et dépenser une force. Si vous le faites, ce vaisseau gagne un stress à moins qu'il retire un marqueur vert. Cette chère âme est accompagnée évidemment du titre Shadowcaster qui, lorsqu'on a la tourelle alignée dans l'arc avant, permet, après avoir effectué une attaque qui touche, de tracter l'adversaire. Toujours très intéressant au passage. Cybernétique de contrebande. Dépenser une charge et pouvoir faire une manœuvre rouge ou toute autre chose qui, alors qu'on est stressé pendant le tour, voilà, avant de vous activer, vous pouvez dépenser 1. Et si vous le faites, vous pouvez effectuer des actions et exécuter des manœuvres rouges, même si vous êtes stressé, c'est toujours très intéressant. Fails Transponder Codes une nouvelle fois, vous commencez à voir se dessiner une petite logique. Et Zamwezel, toujours très sympathique, l'équipage qui permet, entre autres choses, d'avoir des verrouillages gratuits, ou d'avoir des doubles tapes, ce qui, quoi qu'il arrive sur Assage, verrouillage ou double tape sera très intéressant. Et on va en finir par la pièce maîtresse, ce cher Bosque, après... pardon, excuse-moi. Lorsque vous effectuez une attaque principale, après l'étape neutraliser les résultats, vous pouvez dépenser un critique pour ajouter 2 dégâts. Donc globalement, vous gagnez un dégât et vous perdez l'aspect critique de l'un d'entre eux. Je viens de voir qu'une charge de Jabba a été dépensée. Je n'ai pas idée de pourquoi. C'est pas grave. C'est pas très grave. Ah, peut-être pour une cyber... Non, je sais pas. On verra. Donc ça, c'est le pouvoir de Bosque, très fort. Grido, qui va ajouter à tout cela un petit peu de puissance, puisque lorsqu'on effectue une attaque, on peut dépenser la charge et changer une touche en crit. Vous voyez qu'il y a la combo hein, qui fonctionne très bien. Néanmoins, si un ennemi d'une initiative supérieure vous attaque, et que la charge est de fait toujours active, alors, c'est l'adversaire qui, s'il s'en rappelle, et ce sera donc le job de Darth Hunter sur cette partie, peut changer une touche en crit. Fails Transponder Codes une nouvelle fois. Et la clé de voûte de cette liste, elle est ici, la limace Jabba le Hutt, avec ses 4 charges. 3 maintenant, puisqu'il en a consommé une visiblement, j'ai pas très bien vu pourquoi, mais voilà. Donc avec ses 4 charges, durant la phase de dénouement, vous pouvez choisir un vaisseau allié à portée 0-2, et dépenser une charge. Si vous le faites, ce vaisseau récupère une charge parmi ses améliorations illicites équipées. Voilà pour cette liste de Nebal, qui globalement regroupe énormément de tout ce que fait de tout ce qui se fait de plus perfide chez nos amis les Scum. Et donc là on se jette dans le deuxième tour de jeu. Alors je vais rattraper un petit peu le chat. Il y a de l'écho au niveau des commentaires, ça vient de chez moi uniquement. Pas d'écho chez moi. Alors je pense pas que ça vienne de chez moi, d'autant que mon casque est bien mis, tout. J'ai pas de soucis particuliers. Si vous êtes plusieurs à avoir ce souci là, il va peut-être falloir que je reconsidère un truc, mais. Je pense que ça ne vient pas de moi, effectivement. Tous les indicateurs sont au vert de mon côté. X-Wing Players, ça manque hein, cette petite... ouais, ça me manque. Ça m'a fait quelque chose de le lire comme ça.
Il n'y a pas de proquette sur Torani. Ben non, c'est ce qu'il me disait justement. Il a remplacé ça par un as de l'espace cette fois-ci. Et il me semble qu'il y a eu un autre ajout, je crois. Peut-être la cybernétique. Je crois que c'est la cybernétique qui a dû s'ajouter sur Assage. Je dirais que c'est ça qui change par rapport à la dernière fois. Ah, résolu. Ah oui, d'accord, pardon. Effectivement, c'est le principe de rattraper de haut en bas, c'est que j'avais pas vu. Bonsoir à tous, salut Ganon. Oui, c'était le joli match de Nebal avec les deux V-Wings, je crois, détruites dès le premier tour où ils se sont attaqués. Ouais, c'était pas des V-Wings, c'était des Torrents, mais sinon c'est exactement le même principe, c'est tout à fait ça. Greedo va faire mal à Nebal, il y a eu... On a mis sur pause, visiblement. Que se passe-t-il? Y a-t-il besoin de mon assistance, peut-être? Sais-je être capable de leur venir en aide? Attendez, je vais les rejoindre. Il y avait un machin, un PDF, je crois, de Ragnon officiel. Enfin, Que se passe-t-il? je sais pas si Puis-je c'est aider? forcément. On avait une question. Alors, oui. Quand Assage fait le lock sur le nuage, oui. ça use le False Render Code ou pas? Plus maintenant. Plus maintenant. Voilà, Ok. c'est ce qui me semblait. En fait, comme tu ne peux pas jam un obstacle, tu ne perds plus le False Transponder Codes. Voilà. Ok, parce que moi ça me l'avait fait au début, ouais. C'est ça, mais en fait on était parti de ce principe-là en fait. Mais visiblement ça a été Bah c'est mieux. dit. Voilà, donc Ouais, c'est plus logique en même temps. voilà. Ok, Merci. merci. Allez, c'est parti. Alors attends, ils vont remettre peut-être le timer sur play. Ah oui, ça a déjà été fait, j'ai juste pas entendu, c'est pas grave. Du coup, j'ai pas fini de rattraper le chat, on y va. Donc, vous voyez que Assage vient de rater son verrouillage, hein, de fait, puisqu'il y a eu ce questionnement. À cause des VP. Jabba, je dirais que c'est pour charge ZAM. Non, 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 parce que ça ne marche que sur les améliorations de type illicite. Or, ZAM est un membre d'équipage, donc tu ne peux de toute façon pas le faire. Je sais pas si ça a été dit plus tard dans le chat, mais comme je rattrape petit à petit. Voilà. C'est clairement pour recharger FTC. ZAM se recharge toute seule. Bah voilà, c'est ça en plus, vous l'avez dit. Effectivement, full VP5 en face, c'est possible que Greedo fasse mal. Il y a une contrebande sur Assage en plus, oui. Pas d'écho non plus, ok. Salut Rafterman au passage. Oui, mais Jabba ne permet pas de le faire plus vite et de faire en sorte qu'il soit chargé avant la première attaque. Oui, non, voilà, c'est ça. Bah voilà, on s'est répondu finalement petit à petit. Les FTC vont être primordiaux pour passer les défenses de la liste rebelle. Ce serait dommage de gâcher ça sur ZAM. En plus, ça fonctionne pas. Voilà, c'est ça, exactement. Donc ce point a été clarifié. Oui, non, exact, voilà. ZAM est un équipage. Jabba ne fonctionne que sur les illicites. Et Fails Transponder Code, ce qui a trigger. Ah, ça doit être. Ah oui, je suis bête. Ah, mais ça y est, j'ai compris. Excusez-moi. C'est très malin de la part de Darth Hunter qui est en train de pourrir la game de Nebal. Et oui, je suis d'une stupidité incommensurable parfois. Et oui, c'est notre ami Koran qui prend des verrouillages et qui du coup fait perdre les Fails Transponder Codes de Nebal, l'obligeant ainsi à utiliser Jabba pour les récupérer. Voilà ce qui se passe depuis tout à l'heure. Faut suivre, hein, faut suivre. Hein. Et je vous le dis à moi, je me le dis à moi, hein, je vous le dis pas à vous. Non, non, c'est effectivement une très 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 bonne idée, c'est très bien vu. Alors comme Darth Hunter jouait déjà ça la dernière fois où on l'a vu en stream, peut-être que ce n'est pas un contre spécial pour Nebal pour cette partie spécifiquement, mais quoi qu'il en soit, ça marche, il faut le reconnaître, assez bien. Et c'est une très très bonne idée, effectivement, oui. Ah, et je... Non, si, Torani, je crois qu'elle est à l'intérieur. Donc je pense qu'on va pouvoir consommer la charge de Jabba. Je ne prends pas en compte les fails transponders tant qu'on n'est pas à l'engagement, je vais être honnête avec vous. Comme je sais que Jabba est capable de les recharger continuellement, pour le moment je me permets de ne pas en tenir compte, mais j'essaierai d'être le plus sérieux possible sur la gestion de ces tokens. Enfin, en tout cas de ces charges. Bien joué pour le coup des Wings avec un R3, ça aurait fait encore plus mal. Ouais, c'est ça. C'est ça, mais on a fait le choix ici de la régénération de bouclier, ce qui n'est pas une très mauvaise idée. Hein. La dernière fois, on a vu que Luke avait utilisé ses deux charges, que Koran en avait utilisé une, à minima, je dirais. Et du côté de Nebal, la dernière fois, on avait utilisé 7 Fails Transponder Codes,
3 naturels et 4 de plus avec Jabba. Pour le moment, on est parti pour faire la même chose, avec beaucoup moins d'impact, semblerait-il, puisque Jabba a déjà perdu 2 charges. Nous n'avons pas encore engagé. Et Koran est toujours en très bonne posture pour pouvoir continuer à enlever des verrouillages. Puisque vous voyez là typiquement que la menace... comment je pourrais dire, la menace imminente du côté rebelle, c'est Torani. Et Torani est un peu seul. Puisque Bosque et Asajj sont respectivement assez loin. Et que le vaisseau qu'ils ont le plus proche d'eux, c'est un vaisseau qui défend extrêmement bien en la présence de... le châssis est un A-Wing et le pilote a la force, donc globalement la somme des deux fait que on a beaucoup de dés de défense assez bien modifiables. Et voilà. Donc pour le moment, l'engagement qui pourrait prendre une tournure assez désagréable pour Nebal, bien que il semblerait quand même ce tour-ci que le Fail Transponder Code de Torani va avoir un très gros impact sur la liste, ou au moins on va dire sur Luke, mais sur la liste de Darth Hunter de manière générale. Et salut Kanoï, bienvenue. Contre moi c'était aussi quasi la même équipe, il avait Sens sur Ahsoka et un shield de moins sur Luke. Exact, c'est ça. C'est ça la différence aussi avec celle de Darth Hunter, c'est le Sens sur Ahsoka et le shield sur Luke. Exactement, tout à fait, bien vu. C'est tout à fait ça. Bien vu, bien vu. Maintenant que tu me le dis, je m'en rappelle. Ce qui est une formulation bizarre, j'en conviens, mais vous voyez ce que je veux dire. Et salut Rekans. Darth Hunter va faire courir Nebal pour épuiser ses charges. Bah oui, c'est ça, exactement. C'est exactement ça. Et pour l'instant, bah, ça marche très très bien. Maintenant, comme je disais, ce tour-ci, tu vas pouvoir faire sauter peut-être la charge de Bosque ou d'Assage, mais Torani va l'utiliser avant que tu puisses en faire quoi que ce soit, et je pense que Luke va être brouillé ce tour-ci. Voilà. Sans hésiter, je pense que ça va ressembler à ça. Payer si cher le shield upgrade pour se retrouver avec un T-70. Eh oui, on n'a pas tous des vaisseaux craqués. Que voulez-vous? Salut Xagra, bienvenue. Oui, un R2 sur Koran est plus logique par rapport à sa kappa et le double désarmement. Mais un autre E-Wing plus R3, ça peut courir direct les fails. Oui, exactement, tout à fait, ça peut pourrir, pardon. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Absolument, absolument. Alors, on essaye de... On va pouvoir quand même utiliser le... Ouais, je suis pas sûr que ça vaille le coup de transponder à ce stade-là, parce qu'à mon avis, que ce soit Koran, Luke ou Ahsoka, du côté de Bosque, on va pas les voir. Maintenant, ça peut être aussi, d'une certaine manière, donner des modifications défensives à notre ami Torani, en lui permettant de prendre des attaques qui seront moins modifiées par l'adversaire. Donc, à voir. Maintenant, je suis pas forcément hyper fan de ce verrouillage-là. À voir comment tournent les événements. Ça se trouve, c'était le bon play. Peut-être, si Ahsoka... ouais, mais ça m'étonnerait qu'Ahsoka soit revenu dans le combat. Surtout qu'on a un bel arc à 180 pour arrêter... Ouais, tu vois, encore une fois, tu le passes là, mais tu vas... Ouais. Je suis pas fan. Je suis pas super fan de cet engagement-là. On a perdu les 3 transpondeurs. Il reste plus que 2 charges sur Jabba. Voilà. C'est peut-être pas le bon play. Surtout qu'on double jam un vaisseau qui, globalement, bon... Mais ça fait un lock, évidemment. Ça fait un lock gratos que tu utiliseras pour les prochains tours, c'est sûr. Mais l'intérêt des transpondeurs... du coup, est remis un petit peu en doute. Et là, après, d'un autre côté, on peut aussi se dire que Koran n'a plus le monopole de faire sauter des transpondeurs. On peut au moins se dire que Koran ne peut pas faire sauter de transpondeurs, puisque les transpondeurs sont déjà pris. Ce qui du coup est pas une si mauvaise idée. Par contre, si tu pensais que t'allais avoir un verrouillage avec Asajj, il fallait peut-être avec Bosque verrouiller Koran, du coup. À ce moment-là, vous voyez ce que je veux dire. Sur Asajj, ça aurait de toute façon sauté avec Koran. Vu que c'est très cher payé.
Ah, il faut voir, il faut voir. Peut-être qu'il en fera quelque chose de bien. Oula. Alors par contre, du côté de Dark Thunder, on s'enferme un peu dans le coin. Là, on a Bosque avec un sublime affichant la roue pour savoir quelle est la manœuvre la plus rapide, mais je crois bien que c'est un 4. Voilà, on a Bosque qui peut faire un joli 4 tout droit prochain tour. Asajj qui peut bah, aisément le suivre. Je pense que les deux sont parfaitement alignés pour ne pas toucher les obstacles. Peut-être que si on mettait cette caméra spécifique. Hop! Ouais, je sais pas si on le voit un peu mieux, mais en tout cas voilà. Ok. Alors, du côté de Luc. Oh, du côté de Luc, on a fait 3 légers en direction de Taurani, ce qui fait qu'on est dans son bullseye maintenant. On a les ailes quoi? Verte, fermée, ouverte, semblerait-il. Je sais pas si c'est le jeton ou la carte qui fait foi, mais dans tous les cas, la carte est retournée sur les ailes ouvertes, donc je présume que les ailes sont ouvertes. Et Luc qui, quoi qu'il arrive, ne peut que se replacer, en tout cas en tirant quelque chose de bénéfique, puisque la prise d'un token quel qu'il soit ne lui apportera rien, du fait qu'il est brouillé actuellement. Ah, il vient de retourner la carte. Les ailes étaient ouvertes et il vient de la retourner. Ok, d'accord, ça marche. Les ailes étaient fermées, pardon, et il vient de la retourner, donc elles sont ouvertes. Blablabla. En tout cas, il faut sortir de ce bullseye. Par contre, ça, c'est la roue de Koran, ce qui, du coup, n'est pas la bonne chose. Voilà, parfait. La roue de Luc, on va sortir du bullseye de Taurani. Par contre, on se met dans l'arc de Bosque. On a tout de même le nuage pour obstruer l'attaque. L'un dans l'autre. On est peut-être sorti de l'arc de Taurani. Je suis pas sûr de ça, mais c'est possible aussi. On va voir. On le saura bientôt. Luc, qui n'a pas de modificateur dans son bullseye, donc. De toute manière, il n'a pas de talent, donc ça aurait pas pu être un prédateur ou quoi que ce soit. Quoi qu'il en soit, ce sera une belle portée 1 avec 4D double force. Et du côté de Taurani, c'est quoi? C'est 2D ou 1D? Non, c'est 1D de défense. Et du côté de Luc, qu'est-ce qu'on consomme alors? Et bah ça fait 3, donc du coup, sur un G. Oh, on a l'esquive du côté de Nebal, on est bien content de l'avoir celle-là, parce que ça fait qu'on ne prend pas le critique, on ne prend que les deux premiers boucliers. Hop. C'est bien ça, hein, c'est un 7 points de vie. Ouais, 7 et 2, 8 et 2, et 9 et 3, c'est ça. Parce que comme je les ai remis à jour manuellement. Ouais non, je suis bête, j'ai fait respawn la liste après, donc c'est bon. Pardon, Bosque qui a une attaque sur Luc, portée 2. Luc qui regagne une force. De fait, est-ce que c'était le bon plan de faire attaquer Bosque en premier, sachant qu'on peut mettre les critiques? Ah. Est-ce que vous auriez. D'accord, intéressant. Ça, c'est Grido. Du côté de Luc, on a le nuage et une force, donc ça fait 3 esquives. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah, ça, je dois avoir un tir grâce à ce tonneau. Pas sûr, j'ai l'impression qu'on a. Alors, je sais pas si on a vérifié ou pas. Et Taurani qui avait effectivement un tir, mais c'est un tir. Alors, on a le verrouillage quand même, pardon. N'oublions pas le verrouillage. Par contre, ouais, vous voyez, j'aurais plus tiré avec Asajj en premier, puis Bosque. Dans le sens où Bosque pouvait faire potentiellement passer des critiques. Qui me semblait plus indiqué. En tout cas, ça fera touche crit sur Luc qui a récupéré une force, mais ne pourra pas s'en servir. Et Luc qui va perdre 2 boucliers. Pourquoi il y en a un qui avait déjà sauté? Pourquoi il y en a un qui avait déjà sauté? Est-ce que Nebal avait remplacé un crit par 2 touches? Est-ce que c'était ça le truc? Mais non, il faut que ça touche pour ça, non? Il devait pas perdre un shield sur le tir de Bosque. Oui, c'est ça, on est d'accord. Normalement, il n'y a pas de shield perdu hein, sur le tir de Bosque. Attendez, je vais aller les rejoindre, je vais aller leur demander. L'effet de Bosque marche que si l'attaque touche. Mais oui, on est d'accord, c'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce qui me semblait, hein. Attendez, je vais les voir. J'ai une petite question. Oui. Pourquoi Luc a-t-il perdu 3 boucliers? J'ai cru qu'il y avait 4 dégâts. Non, il y en Il y avait avait que 3. 3? Ah bah tout est esquivé. D'accord. Je crois que c'était 2 hits un crit. Ah merde, je sais plus du coup. C'est ça, c'est ça. C'était 2 hits un Il me semble que crit. c'était 2 hits un crit. Ouais, c'est ça. Ah ok, d'accord. Ouais. Ok. Je vous Donc remercie. du coup... Okay. C'est ça, Merci. t'as juste perdu 2 boucliers sur cette attaque-là, oui, c'est ça. Ok. Voilà, parfait.
sur ses bonnes paroles. Jabba qui a été trigger. Donc Jabba. Hop, une charge en moins. Qui a récupéré une charge sur ses fails transponders? Eh bien, il s'agit de Torani une nouvelle fois. Hop. Voilà. Et Jabba, du coup, qui n'a plus qu'une seule charge. Donc, sur les 4 charges de Jabba, 2 vont avoir été utilisées pour empêcher Nebal de profiter de l'effet. Ce qui fait que, du coup, bah, déjà, la moitié des charges de Jabba n'ont servi, d'une certaine manière, à rien dans cette partie. Et ça, du côté de la rébellion, on est très content de le savoir. Donc du coup, il nous reste un petit peu moins d'une heure maintenant. En vrai, c'est un bon trade pour Nebal, ce tour. Bah écoute, 2 boucliers sur Torani contre 2 boucliers sur Luke. Regardez ne serait-ce que la valeur en points de chaque vaisseau et les nombres de points de vie qu'ils ont. Vous voyez qu'il y a 9 points de vie sur Torani contre 7 sur Luke, pour un coût de 53 contre un coût de 72. Bah effectivement, c'est très très rentable pour Nebal. Surtout que ça va être les embrouilles pour le prochain tour côté rebelle. Exactement. Certes, il y a R2, mais si tu consommes R2, t'attaques pas. Et tu t'en vas. Donc c'est un tour où tu ne fais pas d'attaque supplémentaire. Et je suis pas sûr que... Alors après peut-être... Alors Luke va peut-être utiliser sa charge de R2 maintenant, c'est pas incohérent non plus. Mais faut pas oublier aussi que Bosque a un très joli arc qui est bien embêtant pour les utilisateurs de R2. Parce que la plupart du temps, avec un vaisseau comme le YV et un pilote comme Bosque, tu as tôt fait de consommer une charge pour récupérer un bouclier et que tu repères le tour en question. S'il est R2 maintenant et qu'il se barre, il va se faire fumer le reste de la... Mais voilà, c'est ça, t'as pas vraiment l'occasion. Là, le tour pour Nebal... En fait, en gros, faire sauter les deux boucliers de Luke, c'est un très bon engagement. Pourquoi? Parce que ça fait déjà réfléchir Darth Hunter sur la régène, chose que t'as pas forcément envie de considérer aussitôt dans la partie. Et en plus de ça... Faut pas oublier que là, avec un double 4 tout droit du YV et du Lancer, on se retrouve avec Koran et Ahsoka qui sont très très sincèrement enfermés dans un coin, sachant que Torani va certainement nous faire une petite manœuvre en léger ou en serré, histoire d'avoir un joli arc pointé sur tout ce beau monde. C'est un tour qui est très très intéressant, surtout que Torani va... Alors, je présume que s'il a utilisé la charge de Jabba sur Torani et sur ses fails transponder codes, il y a de grandes chances que Torani verrouille à ce tour. Donc, hein. Un petit 3 léger de Hassage vers la gauche pour couvrir le 4 demi-tour de Luke, c'est pas mal, non? Alors, en fait, la question que je me pose avec le 3 léger de Hassage, c'est est-ce qu'avec le 4 tout droit de Bosque, le 3 léger de Hassage est entièrement exécuté. J'ai pas la notion des distances sur les gros socles. Et comme les gros socles, c'est un peu toujours horrible à calculer, je sais pas si 4 tout droit et 3 légers du vaisseau qui est derrière, ça va pas venir bump dans l'arc arrière du YV. La question que je me pose, en tout cas. Je pense que c'est large. Bon. Après, tu te mets devant le nu... Oh, ça touche le New Erge. Ça, c'est pas cool. Après, on a déjà le verrouillage, donc l'un dans l'autre, on perd pas grand-chose, mais Bosque qui n'aura pas d'action ce tour-ci, on aurait bien aimé avoir une concentration en plus. Et Asage qui va également... Alors, je vais regarder, je crois que c'était des 3. Ah non, c'était des 2. Ah, il a fait des 2. Je pensais qu'il allait faire des 4, tu vois, histoire d'avoir des jolis portées. Maintenant, peut-être que 4, c'était un peu osé. Mais d'un autre côté, Asage est dans une position où de base elle ne peut plus aller sur la droite maintenant. Là où Bosque par contre peut, hein, ça c'est clair et net. Mais ah, je pensais qu'il serait allé un poil plus vite, peut-être 3 ça aurait été sympa. Et effectivement, 4 demi-tours de Luke, sans aucun problème. Donc ouais, effectivement, le 3 léger était peut-être sympa pour Asage, tout à fait. Le 3 léger aurait été très très cool, ouais, tout à fait.
Alors Koran, c'est un 2 serré. Et ce sera une concentration. Et on va peut-être pouvoir double tap Bosque. C'est une idée. Asajj qui aura un tir obstrué sur Koran. Et Ahsoka qui va être très bien positionné. Non, ça se trouve, on a effectivement très très bien joué hein, du côté de Darth Hunter. En plus, voilà, on file une esquive à Koran qui va globalement bien s'en sortir. Par contre, ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi notre amie Torani a bump. Ah, elle a peut-être tenté un. C'était quoi, un 3 léger qui a bump sur la droite? Un 3 serré, ouais, le 3 serré, effectivement, il avait assez peu de chances de passer. En tout cas, c'est ce qui m'avait semblé quand j'avais regardé vite fait. 3 serrés avec Bosque, 3 légers avec Asajj, et paf le petit Luke. Exactement, oui. Après, tu pouvais résolument pas orienter toute ta liste sur Luke, dans le sens où t'étais pas sûr qu'il allait faire ça, et de toute manière, tu pouvais pas te permettre de laisser Koran et Ahsoka libres dans ton dos, parce que ça peut être extrêmement douloureux malgré tout. Mais oui, effectivement, sur le papier, maintenant que tu sais que Luke a fait un 4 demi-tours, avec le fameux raisonnement connaissant le résultat, c'est clair que ça valait peut-être le coup. Surtout que Torani, cette fois-ci, n'a pas d'action. Alors, qui va tirer? Enfin, qui, pardon, pas qui va tirer, mais sur qui va-t-on tirer? Sauf que le 4 bumpé. Le 4 quoi? Le 4 quoi sur qui? Que se passe-t-il? Pourquoi c'est passé en crit? Ah, parce qu'on attaque Bosque, excuse-moi. Donc on utilise Greedo. Et Bosque qui va se fendre d'une très jolie esquive et ne perdre qu'un seul bouclier sur cette attaque. Hop. J'étais un peu sûr qu'il allait faire ça. Eh bah, deux touches d'Ahsoka, une très belle attaque. Et une défense une nouvelle fois héroïque de notre cher ami Bosque. Waouh! Alors on n'arrive plus à faire despawn l'arc. C'est bon, problème réglé. Alors, pareil, on attaque Bosque. Et oui, on ne peut pas recharger les âmes hein, du côté de Darth Hunter. Alors, Fire Control System pour 3 touches. Oula, que se passe-t-il? Bon. Et donc effectivement, on re... Oh, putain, il a du mal. Hein. C'est la 8ème, c'est la 8ème phase du dé, le critique. Ah, là cette fois-ci, la défense ne sera pas héroïque. Et effectivement, Greedo qui va coûter le premier crit à notre ami Bosque, et c'est un... Oh, c'est un pilote paniqué, et ça c'est pas bon dans cette situation. C'est-à-dire que là, globalement, Bosque, il ne va plus faire d'action. On peut quasiment call de toute la partie hein, à ce stade. Pilote paniqué. Là, dans la position dans laquelle il est, avoir deux stress, c'est globalement garantir qu'il va mourir sans avoir fait une action supplémentaire. Et donc du coup, ça ne sert en l'occurrence plus à rien de recharger ses Fails Transponder Codes. Alors là c'est Bosque qui attaque et on n'a rien de plus. Ce qui veut dire un crit et on n'a pas pu consommer Greedo, alors ça n'a aucune importance puisque Darth Hunter n'a que des vaisseaux à initiative 5, donc ils ont tous tiré. Alors c'était deux esquives, donc tout va bien sur ce tir. Asajj. Non pardon, là c'était Asajj, excusez-moi. Oscur, oscur, oscur. Là c'était Asajj, maintenant c'est Bosque. Bosque a porté 3 sur Ahsoka. Rien du tout. On relance. Same player shoot again. Ça fait un crit et là on a consommé Greedo. Et on va très bien esquiver du côté d'Ahsoka. Pas de soucis là-dessus. Quant à Toto, on est à portée quoi? 2? 3? On va vite le savoir. Aïe aïe aïe, les dés n'ont pas été sympathiques en attaque avec Nebal ce tour-ci. Et Koran qui va dépenser une esquive, et il avait bien raison de le faire, c'était le dernier tir de toute manière. Une touche à esquiver, une esquive consommée. Tout va bien dans le meilleur des mondes pour Darth Hunter.
Il lui reste la concentration et effectivement, on va avoir un double tap de Coran qui malheureusement ne pourra pas utiliser R2 au prochain tour puisqu'il n'a tout simplement pas perdu de bouclier. Chose qui, à mon avis, était quand même assez peu probable. On aurait peut-être vu au moins un bouclier tomber. On a toujours le Fire Control System. Et ça fera 3 une nouvelle fois. Greedo n'est plus activable. C'est très bien de. Donc j'avais oublié, effectivement, hein, c'est mon mauvais là-dessus. Mais effectivement, oui, il fallait consommer Greedo sur l'attaque de Bosque, puisque sinon Koran pouvait réutiliser Greedo à son avantage à ce stade. Ah, Dark Hunter se met trop bien du coup. C'est dur pour Nebal. Mais est-ce que du coup le double tap vaut le coup maintenant? Ben, là, dans la position où tu es, je pense que c'est difficile au prochain tour de ne pas bump. Ou d'avoir une attaque, tout simplement. Dans le sens où, à mon avis, au prochain tour, si tu essaies de t'échapper, c'est inséré sur la gauche, et on voit ce qui se passe. Et si jamais, de toute manière, tu tentes une autre voie et que ça devait ne pas passer, genre un 5 tout droit, ou, voilà, bah, tu n'aurais pas de tir de toute manière, ou alors tu bump, etc., etc. Donc je pense que le disarm maintenant est pas idiot, dans le sens en plus où, là, donc pareil, hein, résultat connaissant. Pardon, raisonnement connaissant le résultat, mais on a quand même Bosque qui en a pris 6 dans le tour. Et qui du coup est tombé à 5 points de coque restants, mettant Dark Hunter en tête avec 35 points. On va utiliser Jabba. Ah, on va pas utiliser Jabba. On n'a pas envie de recharger Assage, visiblement. On a peut-être dans l'idée qu'Assage. Si, allez, si. Quatrième et dernière charge de Jabba que je vais vous griser désormais. Ce qui du coup veut dire que les fails transpondeurs de Bosque sont inutilisables. Que les fails transpondeurs de Khorani ce sera leur dernière utilisation. Et on a donc regagné une charge. D'ailleurs Zam est à 0 hein, au passage. Hop, voilà. On a donc regagné une charge sur Assage. Et c'est donc la dernière fois que Jabba était utile pendant cette partie. C'est une épine dans le pied en moins pour Darth Hunter. Qui n'a plus à tenir compte de ça. Alors attendez, hop, on va changer de caméra. Et là, du coup, Darth Hunter qui est extrêmement bien placé pour le tour suivant avec un Luke dans une position qui lui convient parfaitement. Full force, certes stressé, avec deux boucliers en moins, mais tout de même dans une posture qui convient parfaitement à un vaisseau assez peu manœuvrant, avec de la force et une bonne capacité d'attaque. Koran qui lui va devoir trouver une voie de sortie. Et s'il n'y parvient pas de toute manière, alors le token de désarmement a été placé un peu tôt, puisque normalement il ne se place que dans la phase de planification. Ah bah ça doit être sa phase de planification. Là il a été placé un peu tôt, mais bon, c'est pour ne pas l'oublier, il n'y a pas de mal. Toujours est-il que voilà, Koran va avoir peut-être un peu de mal à finir une manœuvre ce tour-ci, ce qui pourrait du coup lui coûter un peu cher. Mais toujours est-il que de toute manière, s'il n'attaquait pas ce tour-ci, s'il n'avait pas d'arc d'attaque, ce ne serait pas bien grave puisqu'il est d'office désarmé dû à son double tap du tour précédent. Ahsoka, en revanche, commence à avoir une cible tatouée dans le dos. Il reste un verrouillage d'assage sur le petit A-Wing. Donc c'est potentiellement assez dangereux de rester là où on est. Par contre, effectivement, du côté de Nebal, la difficulté va venir du fait que Bosque est double stressé et dans la position où il est, ça va être très compliqué pour lui d'avoir encore des actions. Notez qu'il y a deux verrouillages sur Bosque, celui de Koran et celui d'Ahsoka. Torani, quant à elle, a ses Fails Transponder Codes, va certainement les utiliser sur Ahsoka ce tour-ci. Ahsoka qui pourrait tenter un 5 tout droit par exemple pour s'en aller, et Torani qui pourrait faire un 1 léger, tonneler sur la gauche. Du coup, on n'utilisera pas les Fails Transponder, mais on pourrait bloquer Ahsoka juste devant Bosque, juste devant Assage. Alors, ça laisserait Torani sans modification, mais on aurait l'opportunité de descendre le A-Wing d'un coup, certes le vaisseau le moins cher de la liste, mais tout de même, ça ferait quand même un quart de 200 points qui serait pris d'office. Ce qui n'est pas négligeable, sachant que aux charges de R2 près, on est à 2 points de la moitié de Luke. Donc voilà.
Moi, en tout cas, c'est ce que je tenterai ce tour-ci avec Torani, je pense. Un léger sur la droite et un tonneau. Sur la gauche, du coup, pardon. Et ensuite, un tout droit avec Bosque et un. Et un. Ouais, le problème, c'est que Torani, là, du coup, je suis plus tout à fait sûr qu'elle soit. Là, faudrait vérifier. Du côté de Nebel, faudrait bien vérifier que Assage ne finira pas sur l'astéroïde. Parce que autant Bosque qui n'a pas d'action en finissant sur le nuage, c'est. Grave, mais pas trop. Dans le sens où on aurait pu avoir une double tape, enfin, pardon, une double tape, une double modification, ou. Voilà. Par contre, Ventress. Ventress qui finit sur l'astéroïde et qui n'attaque pas, ce serait catastrophique. Alors là, je viens de voir que Zam récupère ses deux charges. Donc, ça, c'était le tour précédent. Je pense qu'on avait un petit peu oublié du côté de Nebal. Mais c'est pas très grave. L'idée étant que la carte était là, voilà. C'est beaucoup de triggers, mine de rien, à différents moments avec Zam. Faut pas l'oublier, faut s'en souvenir. Hein. Le jeton que tu mets à côté du vaisseau, la plupart du temps, il a beau être là, tu l'oublies. C'est assez symptomatique, ce genre de petits oublis sur Zam. C'est une mécanique très particulière qui se déclenche à tellement de moments différents que c'est compliqué de tout voir ou de se souvenir de tout. Et voilà, on s'est assigné à la nouvelle carte, ce qui veut dire qu'on est en phase système du tour suivant. Il nous reste un petit peu moins de 40 minutes maintenant. Et Assage qui va venir bump dans Bosque. Torani avec un léger sur la droite. C'est ce que pour l'instant j'ai la moitié qui est bonne. Est-ce qu'il va y avoir un tonneau? Alors évidemment, comme je disais, tonneau, ça permet à Luc d'avoir une très très belle attaque sur Torani. Malheureusement pour Nebal. Ah, on va choisir de jam. Et qui va-t-on jam du coup? Enfin, pardon, évidemment de prendre un verrouillage, mais grâce aux Bell's Transponder Codes, ça va brouiller une cible. Tac tac, hop, voilà. Et on va brouiller cette petite Ahsoka Tano. Quant à Bosque, le problème c'est que là, en plus de ça, Bosque va aller bump dans Torani. Ça ne change pas grand-chose au niveau des actions, puisque de toute manière, Bosque est stressé. Est-ce qu'on a au moins déstressé? Enlevé un stress, je veux dire. Oui, il y a un stress qui s'en va. Après, d'un autre côté, ça peut être sympa aussi en se disant que Bosque ne sortira pas de la carte sur un malentendu. Ça, c'est toujours sympa de s'en rendre compte. Et après, c'est vrai aussi que l'intérêt d'avoir fait un bloc qui ressemble à ça, c'est que si Koran n'est pas passé à travers Bosque, alors il va au moins se faire tirer dessus par l'un des deux vaisseaux, Torani, Bosque, du coup. Allez, on est parti, je pense, du côté de Darth Hunter. Ahsoka Tano et un inséré. Ok, donc le 5 tout droit semblait beaucoup trop risqué, il l'avait vu venir. Et du coup, c'est un très bon play par Nebal, qui est garanti d'avoir un tir avec au moins Bosque. Donc là, on dépense les deux charges pour se donner une action à. Ah non, pour donner une action de tonneau à Koran. C'est bien vu. Du coup, Koran qui va très certainement esquiver tout ça. 5 tout droit de la part de Koran. Donc on enlève le désarmement, il n'y a aucune raison qu'on l'enlève maintenant, mais c'est pas très grave parce que de toute manière Koran ne tirera pas, et donc voilà, c'est ce dont on parlait précédemment. C'est. Comment dire. Koran a bien fait de se désarmer au tour précédent, puisque ce tour-là, il ne peut de toute manière pas tirer. Alors là la question c'est qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu prends pas un verrouillage sur Assage? T'as un verrouillage sur Bosque, certes. Prochain tour, tu vas être plus enclin probablement à tirer sur Assage, ou alors tu boostes et tu te mets dans une position où globalement au prochain tour tu pourras tirer sur Bosque, c'est possible aussi. Je sais pas tellement qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il faut faire de manière générale avec un E-Wing. C'est un vaisseau qu'on voit assez rarement, donc de fait c'est un petit peu difficile d'anticiper sa manœuvrabilité et les différentes possibilités qui s'offrent à nous en pilotant le vaisseau. On a pris une concentration. Donc ça c'était Ahsoka. Ah oui, donc on n'a pas pris l'action avec Ahsoka. On est passé directement sur Koran.
C'est bien vu. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on est brouillé, hein. Ne pas oublier une chose, c'est qu'on est brouillé. Et on va prendre une esquive qui du coup va s'en... Pardon. Qui va s'en aller avec le brouillage. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on est dans le bullseye de Torani? Si c'est oui, ça va faire très mal parce qu'il n'y a pas de token vert. Alors. Alors, finalement, on va pas prendre d'esquive. Bon, c'est un peu confus là, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce que Nebal lui a accordé de faire Ah non, mais pardon, je suis bête. La première des actions, ça peut être de faire ça, et la deuxième, ça peut être de prendre un boost. Oui, pardon, excusez-moi. Le châssis à wing, tout à fait. Je pensais que. Pardon, excusez-moi pour le micro. Je pensais que Nebal lui avait accordé de revenir en arrière parce que l'évade ou quoi. Alors non, par contre, ça c'est. Ou alors si, je sais pas. J'ai pas compris. Il y a le brouillage, non? La concentration, il est pas censé la garder en fait, si. On est bien d'accord, hein, y a eu un target lock de Torani. Bon, avant que ça se batte, je vais aller les voir. Rebonjour. Oui. J'avais une petite question. T'as bien fait un verrouillage avec Torani ce tour-ci sur Ahsoka? Allô, allô? Oui, tu m'entends? Y a du lag, ça coupe. Ah. Vas-y. T'as bien verrouillé Ahsoka avec Torani ce tour-ci? Oui, mais elle avait un lock sur Bosque, donc ça l'a Ah, fait. elle avait un lock sur Bosque, ok, c'est bon. Parfait, je n'interviens plus. Je me tais. Non, pas de soucis. Merci. Donc tout va bien. C'est moi. J'avais oublié le lock, surtout que je l'avais dit le tour d'avant, mais c'est pas grave. C'était donc ça le truc. C'est chiant, hein, les transpondeurs. Hein. Le jam de manière générale est un peu casse-couille. Oh, très belle attaque de Luke. Qui attaque-t-on? Il n'y a qu'un seul dé de défense, donc je présume que c'est Torani. Ah oui, Luke qui avait pris un verrouillage, évidemment. Et Torani qui nous fait une belle esquive qui prend donc touche crit. Et le deuxième crit est un coup au but, ce qui fait qu'on en prend 3 pour le prix de 2. Belle promo, 1, 2 et 3. Avec un direct hit ici. Je comprends pas le focus tonneau par contre. Tu veux dire quelques. Même en considérant que. Même en considérant 3-4. Bon, bref, on s'est compris. Ben, disons que. Tu te donnes une modification. T'as plus de force en fait. Je pense qu'il a envie d'avoir une modification malgré tout. Et Ahsoka. Ben voilà, tu vois. Non, pardon, ça c'est Ahsoka qui attaque, excuse-moi. J'ai rien dit. J'allais dire, tu vois, c'est bien. Hein. Mais en fait, non, ça n'a rien à voir puisque c'est pas la même chose. Hein. Dark Hunter force bien à disperser les tirs de Nebal, mine de rien. C'est ce qui va jouer à la fin, je pense. Comment le faire? C'est un A-Wing. Comment ça, comment le faire? C'est un A-Wing. Comment ça, comment le faire? C'est un A-Wing. Ah, donc là, je pense qu'il a la double tape d'Assage, qui du coup a dépensé ses deux forces pour ne pas prendre de dégâts. Et effectivement, il semblerait qu'on soit sur une double tape, je présume. Donc Zam qui va tomber à zéro charge, si je ne m'abuse. Attendez, on va vérifier ça tout de suite. Non, ce n'est pas ça. C'est Recover One et prenez un target lock. Chose qu'elle n'a pas fait. Parce qu'elle en avait déjà un, visiblement. Ou alors elle vient de le faire et je l'ai raté. Ça fait 3 sur... Oh, waouh, ça c'est toujours hyper frustrant. Ça c'est toujours hyper frustrant.
Portée 2 de Bosque. Et on n'a pas pu dépenser Grido, mais c'est pas très grave. Et Ahsoka qui va une nouvelle fois très bien s'en sortir. Sur 5D, c'est pas si un problème non plus, ceci dit. Bah, 3 esquives sèches sur 5D, quand même quoi. Oh, belle attaque de Toto. Et voilà. Bien content d'avoir pris cette concentration sur Ahsoka. Et des balles qui va faire chou blanc sur cette phase d'attaque. Donc Koran ne peut pas double tap, donc on récupère une force sur Assage. Et c'est tout. Ahsoka a donné une action à Koran, fait un focus et un tonneau, non. Le A-Wing peut link un boost, pas un tonneau. Le A-Wing peut link un boost, pas un tonneau. Bah si. Ah non, t'as raison. Ah oui, tu as raison, bien vu. Ah, bien vu, attendez, excusez-moi. Bien vu, bien vu. Hop. Je me permets de réintervenir, mais cette fois-ci avec une remarque beaucoup plus intelligente. Ah. Ouais, tu n'as pas le droit de link sur un tonneau. Ah bon ? Eh non. Pourquoi ? C'est after you perform an action, you can perform a red boost. Avec Ahsoka. Ah, alors attends. Ah non, ça, là t'es revenu en arrière sur Koran, du coup. Oui, mais du coup, c'est Koran qui a fait le tonneau. Ah, tu parles d'Ahsoka, pardon. Oui, c'est ça. Excuse-moi. Excuse-moi, alors attends. Ouais, mais... Ah, attends. Parce que là, ça rechangeait pas mal de choses. Ouais, bah, s'il faut qu'on fasse le truc, il n'y a aucun souci. Bah, je sais pas, c'est arrivé il y a un moment. Alors attends. Parce que du coup... J'ai pas le droit de link, donc je peux link avec un boost en fait, c'est ouais, ça ? Ouais, t'as le droit de faire ce que tu veux en première action, mais la deuxième doit être un boost uniquement. Donc, le but c'était, hop, donc du coup, le but c'est de m'éloigner avec un... Du... Voilà. Ouais, du coup ce qui fait que Assage n'a pas dépensé ses deux forces pour défendre, ça c'est sûr ouais, et certain pour le coup. Ok. Donc là ouais, voilà, tu bah, remontes c'est... à 2. Voilà. Du pas coup, elle... Elle pouvait tirer ou pas? Non, donc elle aurait toujours son lock. Donc elle aurait toujours son lock, effectivement, oui. On est d'accord. Pour par contre, tu pouvais tirer sur Koran ou pas? Je crois pas. Ok. Après, ça, je pense que ça changeait rien sur le reste, après. Ouais, bah de toute façon, ça, honnêtement, c'était le moment que... Ok, bah déjà merci d'avoir accepté de revenir en arrière pour ça. Ah bah c'est tout à fait normal. C'est moi qui misplay là donc. Ah si le truc ça changeait peut-être. Oh. J'ai été déjà P2 aussi, on a tiré à P2. C'était P2, ok, ouais. Non, ça ne change rien. Ok. Bon voilà, je vais laisser finir tranquillement. Belle remarque, bravo, bienvenue. Bienvenue à vous sur la chaîne. Si vous êtes compétent, n'hésitez pas à vous faire, à vous manifester. Voilà. Ça peut tout changer. Hop, hop, hop. Même le RZ2 peut pas le faire, ceci dit, effectivement. Je pense que c'est l'habitude du vaisseau qui a un double repositionnement avec des capacités un peu bizarres. Voilà, les intercepteurs, les silencers. Tout ce qui finit en heure de manière générale, comme A-Wing, hein, d'ailleurs, au passage, vous remarquez que A-Wing rime avec intercepteur. Alors, laissez-le tricher tranquillement, j'ai parié sur lui. Pas de ça ici, par pitié, cela dit, c'est très rigolo. Moi aussi, mais soyons fair-play, laissons une chance à l'adversaire. C'est un rebelle, c'est un terroriste, il est fluff. Voilà, je veux dire, bon, à partir du moment où vous jouez un petit peu RP, c'est forcément beaucoup plus sympathique. Non, non, mais effectivement, bien vu, tu ne peux link que sur un boost. Moi, je sais ce qui m'induit en erreur la plupart du temps, c'est comment il s'appelle, notre cher ami, VP4, Jake Farrell, qui fait une concentration, puis un tonneau. Et du coup, la plupart du temps, moi, je me dis, oui, mais du coup, stress. Mais en fait, non, parce que c'est sa capacité. Mais en fait, j'ai rien link du tout. Et oui, et oui. Moi, c'est la plupart du temps là-dedans que je me fais avoir. Parce que je réfléchissais à pourquoi je pensais que c'était possible. Pourquoi ça m'avait pas choqué. Bah, c'est ça, en fait.
De mon côté, c'est ça. Mieux vaut pas jouer Empire et être RP, ceci dit. C'est-à-dire, de quel point on parle précisément? De quoi? D'être carriériste? Bien. Bah, ils sont un peu racistes, xénophobes, quoi. Parce que t'as l'impression que chez nous, c'est pas pareil. Enfin, xénophobe, j'en sais rien. Pas rencontré beaucoup d'aliens ces dernières années, mais bon, raciste, par contre. Hein? Voilà. Ça, c'était un autre débat, cela dit. Mais, disons qu'il y a beaucoup de joueurs impériaux, quoi. Dans le monde, je veux dire. Au sens large. Ouais, ils sont quand même pas mal, quoi. Mais Jake, c'est dans l'autre sens. C'est tonneau, focus, pas l'inverse. Ça change tout. Oui, non, mais. Bref, c'est compris. On va pas commencer. Hey, on est sur quelle chaîne, là? Sur la mienne, non? On va pas commencer à me. Bon. Non, mais oui, je suis bien d'accord avec toi, mais dans ma tête, c'est ça, quoi. C'est tonneau, focus, machin, etc. Mais tu sais, la plupart des joueurs que j'ai vus prenaient le focus avant de faire le tonneau. Même si en soi, ça changeait pas grand-chose, parce que le tonneau passait à chaque fois, si tu veux. C'est pas ça le problème. Mais c'est vrai que t'as tendance à te dire, bon, bah, du coup, je fais mon tonneau, donc je prends un focus, donc je mets le focus à côté avant, je fais mon tonneau, et je fais suivre le focus avec, tu vois ce que je veux dire? Xénophobe, c'est la peur des étrangers, pas des aliens. Vous commencez à être désagréable là. Attention à vous. Mais oui, non, mais je suis bien d'accord, c'est tonneau qui donne un focus. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Enfin, après, l'Empire xénophobe. J'ai pas tellement l'impression qu'ils aient peur des aliens, mais plus qu'ils soient juste bref, haineux envers eux, quoi. Cela dit, j'étais persuadé que le A-Wing pouvait link un tonneau, belle connaissance du châssis. Ah bah y en a qui jouent un peu plus rebelle que d'autres, quoi. Et je dis ça en connaissance de cause, je joue pas. Donc oui. Mais c'est pour ça que c'est bien, hein, chat, finalement. Tout le monde y va de son petit commentaire, de sa petite expérience, de sa petite connaissance, qui certes certaines fois est limitée, d'autres fois est pleine et entière, et on arrive à construire un petit truc, et à revenir sur des erreurs qui, de manière générale, passeraient inaperçues pour quelqu'un comme moi. Alors ceci dit, à titre tout à fait personnel, je suis pas censé être arbitre, hein. Mais c'est vrai que j'ai du mal à me dire que je suis simple spectateur et que dans une situation comme celle qu'on vient de voir, je n'ai pas le droit d'intervenir. Vous voyez? C'est ce qui rend un stream vivant. 10 000 arbitres ici. Non, mais c'est ça. Enfin, 10 000. Ne sois pas insultant. Plutôt 100 000, quoi. Voilà. Au bas mot, vous êtes combien là? Attendez, que je regarde. Hop. Voilà, vous êtes 18 millions là actuellement sur le chat. Donc bon, il y en a beaucoup qui parlent pas, mais vous êtes 18 millions. Non, t'as pas loupé qu'un seul zéro, excuse-moi, attention. On est en prime time là. Salut Joey, bienvenue. Mais voilà, c'est ça, c'est-à-dire que là, moi, à l'heure actuelle, je me vois pas dire. Bah, en fait, j'ai vu une erreur et puis je vous laisse. Bon courage à vous, salut. Je trouve ça un peu bizarre, quoi. Dans un événement cadré en physique où globalement on te dit bah voilà, tu bah oui. Et d'un autre côté, quand tu vois un truc et que t'appelles un juge en lui disant bah je viens de remarquer ça, bah, le mec il dit oui mais toi tu joues pas donc. Ah bon bref, j'ai un peu de mal avec le fonctionnement qu'on peut voir des fois, le côté t'interviens ou t'interviens pas. Bon. Les deux se valent, hein, je comprends pourquoi les deux existent, mais. Y a de la triche? Ouais, le patron il a essayé de faire un truc avec le châssis qui marche pas. Il a essayé de link une action avec un tonneau après. Chose qui est très peu faisable sur un A-Wing. Voilà. Après, c'est pas vraiment pareil en soi. Je parle très vite. Je parle très vite. Et le chat a du retard de manière générale parce que bah, c'est une diffusion en direct. Donc, c'est pas vraiment pareil en soi. J'ai dit tellement de choses dans l'espace de 30 secondes que je ne sais absolument pas à quoi tu fais référence. Oui, mais c'est le patron. Ah, mais là-dessus, on est tout à fait d'accord. Mais bon, si tu fraudes le fisc, en tant que patron, c'est toi qui paye, hein. Voilà, hein, bon. Patron ou pas, hein, celui à qui tu passes les menottes à la fin, c'est le patron. Hein, voilà. Enfin, pas que, mais bon. Hein. Je parlais du parallèle erreur en stream, erreur en vrai. Ben, c'est pas pareil, oui et non, c'est-à-dire que j'ai la même valeur de jugement, enfin de jugement
Enfin, si jamais j'étais en train de commenter la partie en vrai, j'aurais la même valeur de jugement. Oh, magnifique manœuvre qui passe à deux doigts du nuage, c'est sublime. C'est-à-dire que j'aurais la même légitimité, c'est-à-dire globalement aucune. Oui, enfin oui, après je vois ce que tu veux dire, dans le sens où. Bah non, en fait, non. Attends, je finis mon raisonnement. J'aurais la même valeur de légitimité à dire qu'il y a une erreur, en vrai ou pas en vrai. C'est-à-dire, donc encore une fois, c'est-à-dire aucune, dans le sens où je ne fais pas partie de la partie, je ne fais pas partie du staff, c'est-à-dire en tant qu'arbitre, etc. Donc voilà. Maintenant, si le truc c'est en physique, il y aura des gens pour gérer ça à ta place, oui. Mais il y a aussi ce débat du est-ce que moi j'appelle la personne chargée de faire respecter les règles, et est-ce que au moment où je la fais venir, je suis enfin, comment dire, y a certains événements, je m'en rappelle, les trucs que j'ai vus sur Gold Squadron ou quoi, où globalement on demandait à Gold Squadron bah, en fait, de ne jamais intervenir, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le droit d'appeler un juge pour dire bah, tel joueur a fait tel truc illégal. Parce qu'en fait ils ne font pas partie de la partie, de manière générale. Donc ce sera Golvelm pour les menottes. Après, vos rêves érotiques ne m'intéressent pas, hein, si je puis me permettre. Vous faites ce que vous voulez, mais je suis pas forcément obligé de savoir quoi. Assage qui a bumpé dans Bosque. Bosque qui a bumpé dans Torani. Bosque qui a bumpé dans Torani. Et Torani qui a bumpé dans Bosque. Attendez, excuse-moi. C'est vrai ça? 3 serrés pour Bosque qui est pas passé. Et un léger pour Toto qui est pas passé non plus. Ok, est-ce que c'était volontaire? Je ne sais pas, mais en tout cas, personne n'a bougé ce tour-ci à part Torani qui a un petit peu avancé. Du coup, résultat des attaques. Résultat des attaques. Là, il s'est rien passé sur Ahsoka. Koran. Oui, pardon, alors voilà, on retourne la carte de Zam. Je pense que c'était la double tape. Donc on ne peut malheureusement rien en faire. Enfin, attendez, remarque, je dis je pense, mais ce serait facile de vérifier. Non, c'est toujours pas la double tape, c'est la récupération d'un verrouillage. 3 touches sur Assage, une esquive. Donc deux boucliers, je me suis trompé de. Ah, c'était pas la bonne fenêtre, obscure. Deux boucliers qui sautent sur Assage. Et alors là, on est sur l'attaque de Luke. Moi, c'est étrange sur GSP tout de même, je comprends pourquoi ils le font, mais c'est juste suivre le déroulé normal des règles. Ouais, mais je sais pas. Encore une fois, les deux se valent, quoi. C'est-à-dire que quand t'es extérieur à la partie, t'as rien à dire dessus, quoi. D'une certaine manière. Parce que si tout le monde est capable de dire d'y aller de son petit message sur la partie, ça veut dire que beaucoup sont capables de faire des erreurs en disant qu'un truc s'est passé alors qu'en fait ça s'est pas passé. Vous voyez ce que je veux dire? Et Asajj qui a perdu son. Alors, qui prend 4 dégâts, pour commencer. 1, 2, 3, 4. Qui a perdu son transpondeur. Ah oui, parce qu'elle a pris un verrouillage sur l'un des vaisseaux, je présume. Voilà. Ah non, c'est. Pardon, excusez-moi, c'est pas la bonne cible. 1, 2, 3, 4, c'est Torani qui est morte. Hop. Voilà. Donc, que j'ai bien suivi, Torani est morte avec ses 7 cartes tout pile. Assage a perdu 2 boucliers, c'est bon. Bosque. Il est à 9 points de vie, moins 5, moins 4, ça fait donc 5, on est bon. Et du côté rebelle, ce tour-ci, on a encore fait une très belle opération, puisqu'on n'a rien perdu et on a pris une moitié supplémentaire. Enfin, oui, c'est ça, une moitié supplémentaire. Et deux dégâts en plus sur Assage. Dur pour Nebel, c'est 2-3 derniers tours. Oui, tout à fait. Bref, c'est ta chaîne, tu fais ce que tu veux ou dis. C'est à peu près le principe, effectivement. Mais bref, oui, enfin, pour en revenir là-dessus. Bah d'ailleurs, en fait, oui, non, c'est intéressant parce qu'au final, c'est pas vrai, d'une certaine manière. C'est-à-dire que là, on est dans un événement où, globalement, si on avait cadré un peu plus le truc, il y aurait peut-être un arbitre pour chaque partie. Bon, là, ça fait un peu beaucoup, hein, mais ça serait possible de dépêcher une personne qui fait l'arbitrage pour chacune des parties qui se jouent. Et j'ai le droit de diffuser par-dessus, mais s'il y a une erreur qui se fait dans la partie, je n'ai pas le droit d'intervenir. Vous voyez? Ça aussi, ce serait possible, en fait, typiquement. Qu'il y ait une personne, voilà, chargée. D'animer l'arbitrage de chacune des parties que vous voyez à l'écran. Typiquement, qu'il faille que je compte la place du commentateur et ou des commentateurs, les deux joueurs et une place supplémentaire pour un arbitre. Et à ce moment-là, effectivement, moi je n'aurai aucune valeur d'intervention. Et d'ailleurs, au passage, même si vous êtes absolument
sur toutes les parties quasiment indispensables pour faire noter des points très spécifiques, notamment typiquement Xagra qui a fait noter l'impossibilité d'effectuer une action Link sur un tonneau sur le A-Wing, eh bien vous n'auriez pas le droit de dire quoi que ce soit, ou du moins on aurait le droit d'en débattre, mais ce serait à l'arbitre de régler la situation, et nous on n'aurait rien à dire de toute manière. Comment ça se passe ce genre de tournoi en ligne? Les joueurs ont sous la main un arbitre officiel à appeler en cas de conflit. C'est exactement ça. En gros, mettons qu'en gros chaque adversaire chaque match correspond à un channel vocal qui porte le numéro d'une table. Alors à ce moment-là, quand tu as besoin d'un arbitre, il te suffit juste d'aller dans Discord chercher à la table, donc en gros au channel vocal de l'arbitre, l'alpagué de 3 secondes, lui vient à ta table. Vous discutez ensemble de la situation, il rejoint ta partie si c'est nécessaire, si c'est juste une petite question comme ça, il n'a pas forcément besoin de rejoindre ta partie en ligne, et à ce moment-là, on règle la situation tous ensemble, avec l'arbitre en vocal, et potentiellement sur la partie, si c'est nickel. Si c'est nécessaire, qu'est-ce que je raconte. Ça dépend des jeux et des règles de tournoi à MTG. MTG. Magic the Gathering, je présume. Je connais pas du tout, hein, c'est pour ça que je doute. Un spectateur peut interrompre une partie sans en dire plus au joueur le temps de notifier à un arbitre. D'accord, ok, bah, je savais pas. Ce serait dingue d'avoir un arbitre sur chaque partie. Ce serait pas mal, hein. Moi j'aimerais bien. Tout le monde serait plus serein, je pense. Après, il y a des gens qui seraient. Bon, c'est rare, hein, les mecs qui sont vraiment un peu limites et qui. Voilà, mais bon, ça permettrait aussi de calmer un peu tout le monde. Mais bon, ça ferait surtout beaucoup d'arbitres à former. Parce que c'est pas facile non plus de connaître tout sur tout. Je pense pas que qui que ce soit sache tout sur tout, d'autant que de plus en plus les points de règle deviennent hyper tricky, et on va pas revenir sur les récentes déconvenues de certains combos tels que Hera dans son A-Wing. Voilà, j'ai pas forcément envie de s'étendre sur le sujet. Mais voilà. Dans les tournois, il y a des rooms arbitres, voilà, c'est ça. Ça sent le sapin pour Nebal. Comment se fait-il que Bosk puisse faire un 0 alors qu'il est déjà stressé? Ouais, je pense que du côté de Nebal, on a peut-être un peu plus de mal à réfléchir là. Ah, il va falloir faire un 2 tout droit du coup. Aïe aïe aïe. Sur les tournois par semaine, c'est un peu plus freestyle. Bah ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faudrait que tu fasses ton... Ah ouais, et puis là, Bosk, il est mort, hein, de manière générale. Ouais. Et en plus, c'est un 2 tout droit blanc, ce n'est pas bleu. Bon, Bosk est mort. Voilà, donc je vais pas lui enlever tout de suite les points, mais de manière générale, Bosk est décédé. Et surtout qu'il a... Il a déjà donné sa moitié ou pas? Oui, il a déjà donné sa moitié. Mais effectivement, là, entre Sash Keybump et Bosk qui est mort, ça va être... En fait, du côté de Darth Hunter, ça vaut même pas le coup de lui tirer dessus. Donc voilà. Sur les tournois par ce... Ouais, c'est ça. Ah, et du coup, Koran et Ahsoka qui s'empalent sur Asajj. Alors, ça va peut-être nous faire une table rase. 12 minutes pour descendre à Sage, c'est largement faisable. Après, à Sage, il y aura la place de faire un joli 5 demi-tours au prochain tour. À moins que ça sorte aussi de la carte, auquel cas ce serait catastrophique. Mais ouais, ça a été plus compliqué pour cette partie. Ah, Luc avait tenté le 4 demi-tours qui s'était attendu à une manœuvre peut-être en surplace de Bosk ou voilà ou quelque chose comme ça. Bon, ça arrive, hein, ce genre d'erreur. C'est le genre d'erreur qu'on regrette, hein. Je peux vous le dire, j'en ai fait une récemment, de genre d'erreur qu'on regrette amèrement. Un truc qui fait perdre la partie en plus. Donc voilà, ça c'est le genre d'erreur qu'on va éviter de refaire. Mais c'est vrai que sur TTS, c'est pour ça que on a souvent l'impression que les gens... moi je sais que les gens ont souvent l'impression que je retouche à mes tokens tout le temps. Là, aller changer de place tout le temps, à gauche, à droite, devant, derrière. Mais en fait c'est juste que quand tu oublies que t'as un token particulier, un stress, un machin, un truc... Bah... Après l'Upsilon Bosk. Ouais, c'est ça. C'est ça. Des balles qui va donc nous sortir un vaisseau de chaque faction sur le jeu, je pense. C'est peut-être un objectif à long terme, hein, pourquoi pas. Après, Malarus, c'était pas de son fait. Hein. Malarus, on l'a ionisé. Non, c'était pas le Malarus, pardon, excusez-moi. C'est Tafson. Tafson, on l'a ionisé, donc d'une certaine manière, il était pas responsable. Responsable, mais pas coupable. donc voilà. Là, bon.
On va pas remuer le couteau dans la plaie, j'ai pas sincèrement envie de ramener ça sur le tapis quand on va en discuter en fin de partie, mais c'est vrai que pour le coup c'est une erreur du joueur et non pas un play adverse, on va dire. Du coup ça fait deux touches supplémentaires sur Bosque, hein, mais bon, de manière générale, vous avez compris où se dirige notre cher YV. Quant à Assage, on a peut-être une chance quand même de faire un petit peu mal à Luc, même si bon, globalement, Luc rechargera ses boucliers au prochain tour, et c'est une très jolie attaque. Olé! Et du coup, ça va faire deux crits sur Luc. Ah, on avait utilisé le... Pardon, on avait utilisé une charge d'Astromech, donc ça fait deux boucliers seulement. Excusez-moi, j'ai mal... Hop, une charge d'Astromech qui a été consommée. Et évidemment, sachant qu'on ne va pas tirer, on pouvait se désarmer, oui voilà, comme le token n'était pas apparu, j'avais pas du tout fait le rapprochement. Nebal aurait pu utiliser la contrebande de cybernétique. Sur Bosque, il aurait déjà fallu que Bosque emporte une. Mais... parce qu'en fait c'est Assage qui l'a. Mais voilà, donc du coup ça répond effectivement à la question. Alors Luc, où est-ce qu'on le bazarde, ce petit Luc? Parce qu'on l'a tracté du coup, grâce au pouvoir de Assage, du Shadowcaster, excusez-moi. Hop, et on va le balancer par là-bas. Oui, mais une sortie, c'est toujours dur. Ah oui, non, mais sortir un vaisseau de la carte... Ah, mais bien vu! Et du coup, Bosque va pouvoir l'attaquer. Ah, c'est bien vu, c'est bien vu. Ça fait plaisir. Oh la vache! Luc qui pourrait en mourir. Non, peut-être pas. Il y a quand même deux crits. Ah ben non, si, je suis bête, il est mort. On va transformer... un des critiques en double touche, et du coup ça va nous faire 4 piles ce qu'il faut. Au revoir, monsieur Skywalker. Magnifique play par Nebal, qui malgré une erreur un peu douloureuse... Oh, c'est indirect, pourquoi pas. Donc, 1, 2, 3, 4, et indirect hit. Voilà, malgré une... comment dire, 2-3 tours sans, on va dire, vient de faire une très très belle opération qui a quand même des chances d'être insuffisante pour une victoire, mais qui reste assez sublime. C'est très bien vu, c'est très bien joué. Après, c'est un peu chanceux aussi de la part de Bosque de foutre 4 touches sur 4 dés secs. Voilà, il s'agit de notifier quand même ce qui est. Mais c'est quand même très très joliment exécuté, et c'est récompensé un play très très bien exécuté, très bien pensé pour les racailles et scélérats. Ça aurait été serré sans cet incident avec Bosque. C'est vrai. Après, oui, si, oui, ça aurait pas changé grand-chose. Bosque aurait eu un tir, et certainement... oui, oui, tout à fait. C'est très vrai. Sans ça, c'était beaucoup plus serré, effectivement, oui. Après, en fait, on arriverait avec ce résultat-là, 88 à 72, à peu près, certainement. Néanmoins, on n'aurait pas... 34 autres points qui vont directement s'en aller chez Darth Hunter, c'est sûr. Ou pas Luc P1 dans Bosque. Oui, après il y aurait eu Luc P1 aussi, effectivement. Mais il y avait plein de trucs qui pouvaient changer de main aussi. Hein. Après, d'un autre côté, Bosque, dans la position où il était, s'il avait déstressé en faisant la manœuvre pour se retrouver dans la position dans laquelle il est, ça aurait été pas mal aussi, quoi. Assage va OS Ahsoka au prochain tour et ça réglera le problème. Ah, bon, voilà, si vous connaissez l'avenir aussi, n'hésitez pas à ne pas le dire, quoi, parce qu'il y a des gens qui regardent, quoi. Il s'agirait d'animer un peu le truc, quoi, vous voyez ce que je veux dire. si vous sachez déjà tout, c'est pas drôle. 8D. Bon, alors, ouais, effectivement, au revoir Monsieur Bosque, est-ce que si je fais ça, ouais c'est bon, hop, on marque les points, hop, et voilà, 122-72, le spoiler fou. Ça compense son manque de bol au dé en début de partie, le jet de Bosque est mérité. Oui, tu peux le voir comme ça, effectivement. Alors on est strain là-dessus. Et Koran termine Assage en double tap. choper un bullseye dans cette position. Ouais, avec une accélération, mais t'as pas
T'as pas de verrouillage, c'est le truc un peu chiant. Alors, deux tout droit pour cette chère Ahsoka. Là, tu peux t'en donner à cœur joie. Hein. Là, tu peux concentration boost. Vous voyez? Ah non, mais pourquoi? Ah si, oui, il a raison. Il a raison. Faut prendre le verrouillage. Faut avoir par contre le bullseye pour la proquette. Hein. C'est important. J'ai pas l'impression qu'il l'ait. Ah, dommage. Là, je pense qu'il laisse plus la place à Koran qu'autre chose. Pas besoin, il a des dés fumés, Dars. Un léger. Eh non, du coup, on va pas. Koran ne tirera pas ce tour-là. Non, tu peux certainement pas verrouiller. Il faudrait faire spawn la portée 1 pour vérifier. Enfin, je pense que Nebal, du coup, lui a fait part de cette information. Ouais, concentration et du coup, Koran qui va avoir du mal à avoir une attaque ce tour-ci, effectivement. Donc, on va avoir Ahsoka. Je pense qu'il n'y a pas de bullseye, donc pas de proton roquette. Mais quel tricheur! Ouais, ça fait deux fois, hein, deux fois, monsieur. Il va y avoir des warnings. Alors, est-ce qu'il y a bullseye ou pas? Carrément pas. Ça fait quand même une très belle attaque, hein, 3D avec un verrouillage, mais on a peut-être envie de garder le verrouillage pour la fois suivante, puisque si on aligne le bullseye. Ouais, voilà, bon, alors là, la question ne se pose même pas, hein, du coup. On a un strain du côté de Assage, donc ça ne fait qu'un seul dé, c'est la raison pour laquelle il n'y en a qu'un seul. Du coup, ça fait 3 touches qui vont aller sur Assage directement, et Assage qui va également perdre la moitié de ses points. On va pouvoir rêver les âmes, ce qui va du coup n'avoir aucune importance, à moins que ce soit la prise d'un verrouillage. Mais là aussi, ça n'a pas d'importance, puisque le verrouillage est déjà sur Ahsoka. Il essaye, ouais, c'est ça, il essaye. On peut le blâmer d'essayer de tricher, mais on ne peut pas le blâmer d'avoir triché, puisqu'au final ça ne marche pas. Donc voilà. Non, mais c'est vrai que ça reste quand même un très beau parcours, hein, de la part de Nebal. Une liste. Alors je sais pas, vous qui jouez beaucoup plus fréquemment que moi, certainement, est-ce que cette liste. Enfin, c'est un archétype, avec les Fails Transponder et Jabba que j'ai déjà vu. Maintenant, j'ai pas l'impression que ce soit si fréquent que ça. Et ça reste quand même une très belle performance pour une liste scum, hein, encore une fois, hein, une demi-finale pour une liste scum, c'est très cool. Ça reste très bien joué. Effectivement, du côté d'Hearthstone, on a aussi une liste assez atypique et sympathique. Rémi Dumais la joue beaucoup, mais sans ça, c'est quasiment pas vu. C'est le même archétype qui joue, du coup? Parce que je sais que. La saison dernière, il avait gagné en finale, ouais, je le sais, j'étais là, avec Lando, Bosque et Asajj, effectivement. C'était pas Torani à ce moment-là. C'était Lando qui portait d'ailleurs, je crois. C'est Lando qui portait Jabba. Ah bah oui, voilà. Ah d'accord, il a pas changé de liste, ok. Ah d'accord, ok. Aucune originalité, quoi. Ok, d'accord, je vois, pas de soucis. Donc effectivement, je connais déjà la liste de Rémi, puisque je l'ai moi-même expérimenté. C'est le moins qu'on puisse dire. Ah, c'est Bosque qui porte Jabba quand même? D'accord. Ah, okay. Je sais plus ce qu'il a. Notre ami Lando, alors. Il doit avoir une chute de cargaison illégale ou un truc comme ça. Trickshot. Peut-être triple zéro aussi, il doit y avoir un truc comme ça. Ah, on va prendre l'esquive et on va boost. Et cette fois-ci, on va peut-être pouvoir aligner le bullseye. L'œil de bœuf. Lando avait peut-être Jabba quand t'as joué contre lui. Beaucoup de questions sans réponse. C'est pas très grave. On verra de toute façon, certainement semaine prochaine. Puisque la finale aura certainement lieu semaine prochaine. Certainement fin de semaine prochaine, hein, samedi, dimanche. Voilà, je vais regarder avec les joueurs quand est-ce qu'ils veulent jouer et puis on vous fera part de tout ça, évidemment. Ah tiens, ils décident de pas boost. Intéressant.
Ça fait un 2 touches. On a le Fire Control System qui va faire une troisième. Je pense qu'à l'avenir, cela ne sera plus possible comme liste. Full Fuse Fails, je présume. Transponder Code risque d'être augmenté. Alors, je ne sais pas si ça risque d'être augmenté, mais il serait temps que ça le soit, effectivement. Ça fait 2 touches supplémentaires sur Assage. 1, 2. Peut-être une contre-attaque? Qu'est-ce donc? Oui, c'est la contre-attaque. On va pouvoir avoir une contre-attaque d'Assage. Je pense qu'il y a de la place de... Il y a la place de cut des trucs pour garder la liste en vrai. Ah oui, tu veux dire oui. Ouais, après ça dépend de combien ils augmentent, quoi. Sans que ça tue le potentiel. Protectorate Gleb. Ah, il joue Gleb maintenant dans la liste. Gleb, c'est quoi? Tu files le marqueur rouge après avoir coordonné, rouge ou orange? Qu'est-ce qui se passe? On fait pas une contre-attaque du coup? Ah oui, non, on va contre-attaquer Ahsoka, effectivement, oui, bien sûr. Ça semble logique, tout à fait. J'espère qu'ils monteront pas à 4, c'est beaucoup trop cher payé pour ça. Je sais pas, faut voir. Effectivement, c'est le bullseye. Par contre, il faut dépenser une force. Oh bah, bon, ok. Ça n'a pas vraiment d'intérêt, puisqu'il n'a pas besoin d'en consommer quoi que ce soit. Mais effectivement, il aurait dû dépenser une force. Ah bah voilà, Nebal le lui fait remarquer, c'est parfait. La Proton Rocket qui va du coup achever ce qu'il reste d'assage. Hein. On peut de toute... Pourquoi on a 3 dés de défense? Pourquoi 3D de défense? Les âmes se déclenchent pas obligatoirement sur la première attaque. Si si, tu peux retourner la tu dois retourner la carte sur la première attaque, mais tu n'es pas obligé de résoudre l'effet sur la première. You may spend 2 charges to perform bonus attaque. You may, c'est voilà, c'est. Par contre, c'est after you defend, reveal this card. Ça c'est voilà. Oui voilà, il s'est rendu compte qu'il avait jeté un dé en trop, et là du coup c'est la mort de d'Assage comme on pouvait s'y attendre. C'était un joli 3 esquive mais qui n'a malheureusement pas lieu d'être, du coup. Par contre on peut quand même faire l'attaque bonus. On peut quand même faire l'attaque bonus, même si on sera init kill, on a quand même l'attaque bonus. Est-ce que Nebal va le faire ou pas? Oui. Il semblerait qu'il ait envie de tirer au moins une dernière fois. Pour une très jolie attaque, et avec le verrouillage, peut-être un full touche. Eh bien non. Touche, touche, crit. Et, oh, oh, oh. Et l'offense ultime. L'offense ultime de la part de Darth Hunter qui nous claque la célébrissime 3 esquives sans forcer. Pas le G full machin, mais voilà. Il a enlevé triple zéro et mis Zam sur Assage pour rentrer Gleb. Ok, ok. Ah, je suppose que Over 2 connaît très bien la liste parce qu'il l'a affronté, je présume, en demi-finale. Hop, et bien voilà, ce qui va clore notre rencontre sur un score un peu rude, hein, soyons honnêtes. Un score un peu rude. 200 à 72, pour autant Nebal n'a absolument pas démérité pendant ce match. Il y a eu quelques erreurs, certaines par manque peut-être d'un petit peu de lucidité, d'autres dues au fait que bah, Darth Hunter a bien joué son coup de l'autre côté. Hein. C'est clair et net. Mais voilà, aucune pitié, une très belle partie effectivement, ça c'est une certitude. Je vous propose qu'on aille rejoindre les joueurs, enfin je vous le propose. Je vous l'impose, j'ai envie de dire, puisque il n'y a pas vraiment le choix. Hop, allons-y. La rejouer en me disant que Koran peut vraiment faire chier ta liste, quoi. Ah bah oui, carrément. Il m'a forcé. Enfin, je pouvais choisir de ne pas utiliser Jabba en même temps. Le problème, ouais. C'est que. Voilà, quoi. Au bout d'un moment, ça revenait un peu au même. Et du coup, ça m'incitait à m'essayer de me rapprocher un peu plus pour. Enfin, qui se contente de faire des toutes petites manœuvres en me faisant sauter tous les transpondeurs. Ouais, c'était un problème. Elle est sympa la liste en tout cas. Parce que bon, honnêtement,
des Koran, pourquoi pas non plus tout le temps. Donc clairement, sur un tournoi, elle fait chier quand même ta compo. Oui. Là, ça dit, j'avais dû faire une partie, c'était contre 3 E-Wing, justement avec cette compo-là à peu près. Ah bah oui. Et j'avais fini par gagner. Ah, malgré même. Tout. Ouais. Car il m'avait vraiment pompé toutes mes charges, mais après j'avais pu passer le machin. Quoi. Ouais, parce que ça reste... Ce qui, de toute évidence, ne s'est pas produit ce soir. Oh putain. Ah, puis là, c'est vrai que le stress, la manœuvre stress, ça te fout. Ah oui, non, mais ça, c'était. Oh, le 3 série qui passe pas, ça fait encore plus mal. Ouais, parce que toutes les manœuvres de mes autres vaisseaux ont bien, du coup. Eh, c'est ça. Et là, j'espérais pouvoir faire un léger avec Torani, un tonneau. Peut-être pas avoir Ahsoka à ce moment-là, mais au moins me repositionner pas trop mal pour l'avoir plus tard. Ouais. Et retourner à Saj, à ce moment-là, il y avait au moins Luke par là et éventuellement Koran aussi. Puis en plus, t'as pas non plus eu des dés au départ, t'as pas eu des dés très violents. Tu m'as fait un sacré coup avec Boss quand même. Bah oui, enfin, c'était au moment mais où global... il était déjà mort. Voilà. Voilà. Mais globalement, t'avais pas eu des super dés quoi. Ouais, tant que c'était c'est régulièrement des attaques modifiées quand même quoi. Mais... Alors simple modifié généralement, pas double, mais ouais, dommage. Ah, bah. C'est quoi les stats là? Moi je suis le joueur rouge. Bien joué à vous en tout cas. Non, moi je suis à des scores assez. Ah. Les stats sont pas forcément si dégueu d'après ça. Ouais. Bah merci. Ouais, non, mais c'est. Ouais, bah, bien joué, hein. Bonne chance pour la finale. Bah écoute, on va voir avec Rémi. Ouais. Et je présente mes excuses à l'audience parce que là, ça a été catastrophique. Oh là là. Mais non, moi je présente mes excuses pour mes petits cafouillages de tonneaux. Non, mais il n'y a pas de souci, ça arrive. Hein. Je vais te dire un truc, j'ai perdu une game que j'avais gagnée sur un faux mouvement comme celui que t'as fait avec Bosque récemment. Donc je ne peux que comprendre la douleur. Bah, je l'avais oublié ce marqueur de stress. C'était embêtant. Ah, ça lui a permis de sortir Luke Skywalker. C'est vrai. J'ai un peu mort quoi. C'est vrai que. Et c'est surtout le tour d'avant quand voilà, on en causait quand je voulais faire mon 3 série avec Bosque, j'étais vraiment persuadé qu'il passerait. Et les manœuvres de mes deux autres vaisseaux en dépend. Oui. Donc voilà. Désolé. Ouais. Non, mais c'était comme je disais, c'est le match. Le match-up aussi, le fait que j'ai joué Koran a impacté vachement la stratégie de Taliste. Oui, je pouvais pas totalement l'ignorer. Ça fait pas tout. Et ça. Ça joue forcément dans le truc. Oui, parce que mine de rien, tu as 50% de ton Jabba qui n'a servi qu'à remplir les réservoirs qu'on t'avait vidés sans ton approbation, quoi. Ouais. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être l'équivalent de deux charges. Donc, comme je disais, c'est pour ça aussi que j'avais voulu aller un peu plus vite que je ne l'aurais fait autrement. Et oui, mais t'as bien raison. Sinon, il t'aurait pompé les 4 charges. Ça en permanence. Et c'est ça. Ouais, voilà. Ça s'est pas tourné en ma faveur. Non, pourtant, au vu de la position de Koran et d'Ahsoka dans le coin, là, on aurait cru que ça t'aurait bien porté. Enfin, ça aurait été sympa, mais... Ouais, mais voilà, je crois que c'est ce tour-là où j'ai pas forcément si mauvais, mais au moins médiocre, en fait. Et du coup, j'ai fait passer absolument aucun dégât sur les deux. J'espérais en faire passer un ou deux sur Ahsoka, honnêtement. Voilà, ouais. Même si elle était après assez loin, elle avait plus de force, je crois, à ce moment-là. Elle avait un œil. Elle avait un œil. Voilà, au lieu ça. De faire le boost, au lieu de faire le tonneau, œil, il fallait que je fasse le boost, enfin le œil boost. Ouais. Et du coup, elle sortait de l'arc de tassage. À la limite, c'était même ce qui aurait été fallu. Il aurait fallu faire peut-être de mieux tout de suite. Mais le truc, c'est que ce qui te fait mal aussi, c'est le paniquet de pilote tout de suite. Ça, c'est le truc qui fait bien.
j'imagine, par rapport à tes mouvements. Et je sais qu'Asoka peut donner énormément de souplesse au mouvement de Koran s'il a besoin de faire un boost ou un tonneau pour se barrer, comme ça s'est passé avec le 5 tout droit, avec le tonneau juste avant. Ouais. Et c'est pour ça que Caillou permettait quand même à Asoka de bien se protéger. Et puis, bon, si tu prends la moitié d'Asoka, c'est pas le vaisseau qui me gênait le plus, quoi. Par contre, ça m'a fiché quand tu m'as mis Luc avec deux boucliers en moins tout de suite. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je régène? Est-ce que je fais un demi-tour? Ouais, le truc, c'est que voilà, avec sa capacité de régène et la force en plus qui revient tout le temps, j'hésitais du coup à m'en prendre à lui. Ouais, j'aurais probablement dû le faire, en fait. Bah, après, ça dépend, parce que vu comment tu étais positionné, tu allais taper le nuage. Si tu faisais ça, tu tournais le dos à Soka et à Koran. Alors en fait, je crois que dans ce cas-là, Bosque aurait pu tourner autour de ce machin pour essayer de gérer un peu par là-bas. Et j'aurais pu... Ah mais du coup, tu chassais pas Luc ? J'avais pensé orienter Assad davantage vers Luc, effectivement. Ah oui. Si, j'aurais pu l'avoir. Parce que l'idée, c'était aussi que je me retournais avec Torani. Parce que là, du coup, je me serais donné assez de champ avec Bosque pour pouvoir me retourner. Ouais. Donc c'était un truc auquel j'avais pensé que j'ai pas osé faire et ouais j'aurais peut-être dû. D'ailleurs j'étais un peu sceptique à l'idée de comment dire. Bosque aurait dû partir dans une autre direction que les deux autres et ça me mettait pas forcément très à l'aise mais j'aurais peut-être dû le faire. Toujours chiant le choix quand t'as des vaisseaux comme ça qui régènent, tu te dis putain je vais passer combien de temps à le tuer. Ouais. Le truc c'est que je me disais qu'Asoka sur un malentendu avec peut-être. Mais ouais. Asoka, tu peux la blinder. Hein. Entre la force et l'esquive, tu peux quand même vachement la blinder. Hein. Oui, bien sûr. Mais comme elle consommait énormément de force pour sa capacité, voilà. Bah, c'était un mauvais calcul, ça n'a pas payé. C'est moins qu'on puisse dire. Bon, en tout cas, c'était une belle partie quand même. Bah, ouais. Merci pour la partie. Hein. Bien joué. Merci à toi, Neymal aussi. Bah écoute, hein, va falloir qu'on se voit avec Rémi, ce qu'on fait la semaine prochaine. Mmh. Et puis, ça. Dès que vous avez. Vous en avez pensé quoi, vous, les commentateurs? Bah, c'était très sympa. Hein. Très très sympa. Ouais. Bah, il y avait des grosses. Des grosses erreurs, des trucs, des malchances ou des... L'idée, c'était pas si choquant que ça, il y avait rien de... C'était souvent du rien ou du tout, quoi, en fait, de manière générale. Il y avait beaucoup de ça, et le reste, ça s'équilibrait, donc voilà. Après, c'était juste sur le tour où... sur le tour où t'as fait un 2 tout droit avec Bosque et un 2 tout droit avec Assage, j'ai cru que t'allais plus partir en 3 ou en 4 tout droit avec les deux. Ça t'aurait peut-être permis d'éviter le nuage et avec Bosque. Alors, le truc, c'est que pour Bosque, j'y pensais, mais j'avais pas envie de le rapprocher. Voilà, de craindre justement qu'il se prenne un pilote paniqué ou un machin comme ça et qu'il puisse pas oser l'avancer davantage. À ça, j'y avais réfléchi, mais je suis à peu près persuadé que je me serais tapé ce coin de la série. Ouais, je vois. Et le tour, d'avant, c'était le même tour. On se disait pareil, donc 4 tout droit ou 3 tout droit avec Bosque, et 3 légers sur la gauche avec Assage pour justement tirer sur Luc qui allait faire son 4 demi-tour. C'était ce que je voulais faire, mais c'est là que la manœuvre. Ok, je pense. Parce que ça devait être la manœuvre que j'avais programmée pour me retourner par ici. Ah, d'accord, ok. Ouais. Non, c'est Bosque qui m'a. Ouais. Je vois. Il me semble que c'était ça, à moins qu'on parle d'un autre. Honnêtement, il y en avait eu un aussi où j'avais été à faire le 5K avec Assage. Mais je craignais qu'elle sorte de la map. Ça se jouait à pas forcément grand chose, je pense, et j'ai pas osé. Ah oui. Ah ouais, t'étais. C'est pour ça que j'y ai pas trop cru, parce que franchement, ça aurait été couillu quand même. Ouais, voilà. Donc j'ai pas osé. À ce moment-là, elle n'était pas dans le pire état. Non, j'étais un peu plus en arrière, par contre.
T'étais comme ça, t'as légèrement tourné, je crois. J'étais plus vers le haut, puisqu'il y avait ce problème par Ouais, rapport à exact. l'astéroïde. C'était un peu plus en arrière. Je pense que je devais être à peu près par là. Ouais. Je vois, ouais. Et je sais pas, du coup. C'est vérifié à l'arrache, là. T'étais pas plus près Et quand là, même ça donne. Si, je à devais ce être plus moment-là. près, parce que là, sinon, ça passait large. Ah oui. Donc, ouais, je devais être plus près. Mais en J'avais effet, hésité à le faire. ça aurait pu peut-être passer quand même. Ouais, ça aurait pu. Ouais. Mais on avait tout quand même. Et franchement, ça aurait été osé, gars. Oui. On a quand même dans le chat quelqu'un qui nous fait remarquer qu'il y a eu quand même deux tentatives de mandoline, on nous dit. De mandoline. Ouais, de ta part. Là, entre le tonneau de Assage et le fait que derrière t'as pris un verrouillage alors que t'étais à portée une, ça a marqué Ah mais les ça esprits, si. ça. C'est moi Ah qui l'ai. oui, C'est moi que c'est. Je m'en c'est suis bien aperçu maculin. moi-même. Ouais, je... Non, non, mais J'ai. je sais bien. En fait, c'était le côté rigolo, c'est que. Après, ils avaient l'air tous focus sur ce que tu faisais en se disant, ouais, d'accord, et donc du coup. Voilà, oh là, les charrières. Voilà, donc t'avais la team laissons le match s'équilibrer et t'avais la team non mais c'est le patron, faut le laisser tricher. Donc voilà. Non, mais ça ouais, c'est Benoît lui-même qui l'avait remarqué. Alors là, Après je me ouais suis putain tout à fait le. avoir. Par contre, c'était le tonneau d'Ahsoka, ça, j'avais rien. Ah ouais, puis moi c'est si tu veux, c'est des vaisseaux que je joue là depuis peu, quoi. Un A-Wing, j'avais. Je sais pas. Ça fait 4 ans que je joue, si j'ai sorti 5 fois un A-Wing de ma vie. Que. Tu Ah bah c'est plus que moi, hein. veux. Terroriste, pas question que je dis. Allez, Qu'est-ce que je veux dire? du coup, oui, si, voilà, le truc qu'on avait fait remarquer sur le chat. C'est vrai que c'est comme les intercepteurs, les trucs comme ça. Moi, je touche pas, moi, ces trucs-là. Le truc qu'on avait fait remarquer sur le chat, c'était que finalement, tu nous as quand même sorti deux vaisseaux, un par faction. Ah, oh, ça lag, putain, ça me casse les couilles. C'est-à-dire. Mais en fait, entre Tafson qui était sorti ionisé et celui-là qui est sorti de la carte Ah tout oui. seul comme un grand. Voilà. Non, mais c'est ça. En fait, j'ai un pacte avec le chancelier. Je suis contractuellement engagé à faire sortir un gros vaisseau à chaque partie, comme ça marche. Aïe. Ah, il remue le couteau dans la plaie. Non, Ouais, non. Tafson, ça avait été rude. Mais c'était rigolo, c'était une partie très marrante. Bah, disons que Tafson, pour le coup, Voilà. c'était pas de ton fait. Soyons honnêtes. Ouais. C'était pas. C'est que j'avais Ah, c'est été les un peu ionisés, les trop ionisés. hardi, voilà. Mais là, oui. Crétin de lézard, c'est pas fait un virage. C'est une manière de voir les choses. Non, mais ça reste quand même. Ça Ouais, reste quand mais même bien joué, hein, mine de on l'a rien. tout. On l'a tous fait, hein, cette manœuvre stressante. Oui. Alors qu'on est stressé, on l'a tous fait. Oui. Ah, j'avais oublié ce pilote Pinnick. C'est mal. Parce que globalement, moi ce que je m'étais dit au moment où tu l'as reçu, le pilote paniqué, c'est que globalement, Bosk, il allait mourir avant de pouvoir faire une action à nouveau, quoi. Ouais, ça c'était Dans la à peu près clair. configuration où on était en termes de positionnement. Mais je pouvais tenter des bumps ou machin pour avoir quand même quelque chose avec son arc avant. Oui, tout à fait. Et si j'avais Oui. pas été stressé, ce stop aurait pu être assez sympathique par rapport à Luc aussi. Bon. Bah, je sais pas combien il te restait de points de vie, mais du coup, Luc aurait été P1 et Ouais, alors là, ah oui. j'aurais changé l'ordre d'activation. Ouais. J'aurais Ce qui devait activé Luc. rester 3 points de vie, je crois. C'est ça. Ouais. Et en fait, j'aurais activé Luc d'abord. Ouais. Ensuite, j'aurais mis Ahsoka. Donc, Ahsoka aurait été portée 2. Et Oui, du c'est coup, vrai. j'aurais pu faire la capacité d'Ahsoka sur Luc. Ouais. Et donc je n'aurais pas pu tuer Luc, oui, Et je pense effectivement. que enfin, je me mettais toutes les chances de le tuer avant qu'il tire. Mais. C'est Mais sûr, finalement, ça a payé ton. oui. Comment dire ton Mon truc, erreur, c'était exactement ce que j'avais prévu. quoi. Non, pas du tout. Bon, ça a juste coûté 69 points, mais c'était un joli play, effectivement. Voilà. Mais bon, faut avoir les moyens de ses Ah, ambitions, misère. quoi. Ouais, et là, non. Non, pas vraiment. Non. Misère. Non, mais ça C'est arrive, comme hein, ça ça. arrive. Moi, j'ai oublié de regarder une de mes cartes de dégâts, je suis passé sur un obstacle, j'ai tué un vaisseau, j'ai perdu la partie. Voilà, fin de l'histoire. Ouais, Celle-là, tu sympa, t'en dis. veux, hein. Ah, Ouais. t'as des histoires sympas, toi aussi. T'as une belle Ouais. casserole.
C'est ça. Moi, je suis content parce que le moral descend en flèche, l'humilité est apprise à la dure, et puis... Ah mais voyez, ouais, des trucs comme ça, c'est pareil. Tu te dis, mais qu'est-ce que tu branles, sérieux? T'as fait un AVC. T'as fait un AVC. Tu peux chercher. C'est ça. Bon, bah écoutez, messieurs. Ouais, bon, en tout cas, merci beaucoup, Bertrand, pour cette partie. Ben, merci à toi, félicitations. Merci aussi aux chanceux. Ouais. Pas de soucis, pas de soucis. Ouais, c'est clair, merci. C'est toujours sympa, ces streams. Puis donc, on se revoit bientôt pour la finale, alors. Bah écoute, qu'on se cale avec, avec Rémi, quand est-ce qu'on fait ça? Et avec toi aussi? Eh oui. Finaliste saison 1, bien. Finaliste saison 2. Enfin, finaliste saison 1 contre gagnant de saison 2. Ouais. Où tu nous ramènes le trophée. Hein. Ouais. Bah, c'est ouais, catégorique. Écoute, faut voir parce qu'il a l'air d'être assez en forme, notre ami. Oui, effectivement. Notre ami Rémi. Mais lui, il utilise aussi des false prender code, lui aussi. Ouais. Ouais. On va commencer à brain, alors. Bah, honnêtement, cette liste-là, c'était sa liste de la saison 2, je crois. Oui, c'est ça. La saison 2, ouais. Donc je m'étais un peu spé, je l'ai fait un peu différente. Mais... C'est contre celle-là que j'ai perdu. J'ai tellement adoré regarder ces parties avec Jabba. Je découvrais Naïf et Enchanté. C'était beau. Ah ouais, mais quand j'ai vu les... Quand j'avais vu les transpondeurs sortir, je m'étais dit que Jabba ce serait instantané et j'ai pas eu. Ah, moi, je ne pouvais pas me le dire parce que je n'avais absolument aucune idée de ce qu'elle pouvait bien faire cette grosse limace. Bah, en fait, déjà, Jabba c'est assez génial avec Bosque et un cybernétique. C'est pour ça que je pense que ça peut être un réglage qui peut être pas mal aussi. Et là, en effet, avec le fond, le false prender code. C'est beau, hein. C'est clair. C'est super bourrin, quoi. Mais c'est scam, quoi. C'est génial. C'est... Allez, je te mets un Grido. Je te mets un cybernétique. Je te mets un false prender. Je te tractor. C'est le couteau suisse, quoi. Il manque plus qu'un forlum. Histoire, je te mets des stress dans ta tronche et puis c'est parti, quoi. Ça a fait du slip. Écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Merci à vous. C'est clair. Bah, merci aussi à toi. Et puis bah, à bientôt alors. Ouais, à bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao. Et bonne semaine du coup. Bon courage pour demain. Bonne semaine. Ça va le faire. Ciao, ciao. Ciao. Et voilà. Merci pour cette partie et pour la diffusion. La finale est prévue quand? Eh bien, je serai... mal avisé de te répondre puisque les joueurs n'ont pas encore mis en place leur créneau. Parce que c'est d'abord et avant tout avec eux qu'on va discuter puisque ce sont les deux protagonistes, on va dire. Et après, si moi je suis dispo tout de suite, enfin je veux dire, à l'emplacement horaire qu'ils ont choisi, ben on fera ça à ce moment-là. Sinon, j'essaierai de faire peut-être un peu décalé histoire d'y être. Mais bon, globalement, leur proposition fait foi, donc j'essaierai de m'arranger pour que ce soit... quand ça les arrange eux, puisque c'est bien pour ça qu'on est là, hein. C'est pas pour faire notre loi, mais juste pour s'arranger pour que les joueurs soient bien quand ils jouent. Donc dès que je le sais, vous le saurez également sur le groupe de la Ligue Condor, groupe Facebook de la Ligue Condor. Et voilà, puis après, pareil, il y aura un petit rappel de temps à autre sur les différents Discord, communauté française, et celui de la Ligue Condor, pour que... juste voilà, pour vous rappeler que ça a lieu dans X jours, X heures, que ça commence, etc. Enfin voilà quoi, la classique, j'ai envie de dire. Comme j'ai pas de serveur Discord à moi, forcément... Et que c'est un peu chiant de refaire des réseaux sociaux pour repartir de zéro et recommencer. Bon, c'est... Autant se baser sur des choses qu'on a déjà, sur des serveurs sur lesquels il y a quasiment déjà tout le monde. Là au moins, je suis sûr que c'est good. Voilà. Donc dès que je le sais, vous le savez. Voilà, globalement c'est à peu près comme ça qu'on va fonctionner. Et puis voilà. Hop là. Du coup, moi je vous remercie.
Écoute, d'avoir passé cette soirée avec nous, avec nous, joueurs et commentateurs, et avec moi, pour m'aider notamment à déceler les petites imperfections des parties. Compréhensible, hein, cela va de soi. Et du coup, on se retrouve très probablement courant de semaine prochaine, enfin fin de semaine prochaine, je pense, pour la finale Condor, et peut-être dans la semaine pour d'autres parties, pas forcément liées à la ligue ou autre, voilà. Et puis voilà, n'hésitez pas à juste comment dire, regardez sur Discord si vous voyez la date et l'heure à laquelle ce sera diffusé, et ou sur Facebook, voilà, si vous voulez vraiment être informé de des horaires, etc. Je pense que ce sera à cet endroit-là que je le mettrai, surtout pour la Ligue Condor. Et puis voilà. Faites une très bonne fin de semaine. Bon, globalement, on est à 2h de la fin de semaine, donc à 1h même, pardon. Donc une très bonne nuit, un très bon lundi, et bon courage pour ceux qui vont bosser. Pour les autres aussi, mais un peu moins, on va dire. Et puis voilà. Merci encore, et à la prochaine.